Est-ce un état bienheureux que celui où l'on sent que si l'on était mère, on en mourrait de honte? Vous la voyez très souvent. Oh, presque tous les jours, je passe chez elle pour des migraines, des bagatelles. Et comment est-elle, ma femme? Est-elle jolie? Est-elle agréable? C'est la plus gracieuse personne de la Terre. À vos pieds, ma belle dame, je dépose autant de baisers que d'hommages à votre beauté. Sais-tu, Rosette, que son portrait est bien ressemblant? Tiens, il avait cet habit-là quand la reine lui a parlé si longtemps. Et pendant tout ce temps-là, il me regardait de peur que je ne fusse jalouse. Et les fautes, docteur, peuvent-elles toujours être sans bruit? Les plus bruyantes, madame, ce sont d'ordinaire les plus légères fautes. Et les plus fortes sont les plus silencieuses. Dans la passion, le meurtre peut être sublime. Mais dans l'indifférence, il serait ridicule. Et dans un homme d'État ou dans un homme de cour, ma foi, il serait fou. Ce n'est pas la faute qui est punie, mais le bruit qu'elle fait. Mais madame, serait-on si méchant pour vous? Madame est si généralement aimée. Quand on ne serait pas méchant, je me ferais justice à moi-même. Et une justice bien sévère, croyez-moi. Il a toute l'amitié du roi et un vaste crédit à la cour. Quiconque l'offenserait serait perdu. Écoute, il ne peut venir que par fureur ou par passion. De toute façon, c'est me faire mourir. Tue-moi, je t'en prie. Seule la jeune femme qui porte mon nom m'appartient. Celle-là seule est mienne. Si Dieu veut qu'il me laisse la vie sauve, je ne pourrai que fuir afin d'expier ma faute.